Député La France Insoumise du Nord, je le remercie de sa présence ce matin dans le studio de France Info. C'est Renaud Dely qui vous pose la première question. Bonjour Hugo Bernalicis. Bonjour. Nous allons commencer avec le dossier Ascoval, cette aciérie qui est située dans votre département du Nord. La justice hier a accordé un délai supplémentaire de 2 semaines hein, pour poursuivre les tractations concernant la reprise de ce site. Il y a 280 emplois en jeu et le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, appelle l'État à prendre ses responsabilités. On l'écoute. L'État est actionnaire de Vallourec à hauteur de 17%. C'est le premier actionnaire. Est-ce qu'il y a une stratégie industrielle? La filière industrielle de l'acier, mais bon sang, elle vaut la peine dans ce pays. Ou alors on va nous dire qu'il n'y a que les start-up, il n'y a que les nouvelles technologies qui sont importantes. Nous, moi, je marche bien sur 2 jambes dans ma région. Je crois aux nouvelles technologies, je crois à l'industrie. Et je voudrais juste dire au président Macron, parce que ça dépend de lui, si l'État veut, l'État peut. Qu'est-ce qu'il peut, Emmanuel Macron, sur ce dossier? Comment forcer la main à Vallourec? Est-ce qu'il faut nationaliser le site d'Ascoval? Clairement, l'État peut tout. Il peut nationaliser. Donc, on peut aller jusqu'à ce cas de figure-là. Alors, on l'a déjà vu sur les chantiers navals d'STX. Hein, ça s'est fait. Alors, bon, en bons libéraux, à la fin, ils finissent par retrouver une solution capitalistique traditionnelle et classique. Mais au moins, ça permet de se donner du temps et de voir ce qu'on veut faire. Xavier Bertrand a raison. Est-ce que ça vaut la peine? Parce que j'entends sur certains plateaux qu'on dit, bon, de toute façon, la sidérurgie en France, c'est en déclin, il vaut mieux se séparer des 200 salariés, faire un plan de formation, leur retrouver un autre boulot, etc., et puis passer à autre chose. Non, c'est pas vrai, on a besoin de la sidérurgie en France. Vous savez ce que fait Ascoval avec Vallourec. Ils font des aciers de pointe qui peuvent servir dans l'automobile, qui peuvent servir pour faire des trains, pour faire des tramways, pour faire des investissements d'avenir. Nous, on pense qu'on en aurait besoin dans le cadre de la planification. Écologique. Vous, député de la France Insoumise du Nord, vous soutenez hein, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, dans ce dossier, il y a une forme d'union, d'union locale, d'union nationale. Ou l'inverse, si vous voulez, c'est Xavier Bertrand qui nous soutient, parce que cette position-là, on la tient pas depuis hier. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon était allé sur place pour soutenir les salariés de Vallourec à l'époque. Mais entendez-nous, l'État actionnaire, pas majoritaire, mais le plus gros actionnaire. 17%. Qui regarde les choses passer comme ça, qui ne donne pas son avis. Vous savez que le patron de Vallourec s'est fixé là, en février 2018, une rémunération fixe de son salaire à 800 000 euros et à une des primes jusqu'à un montant à 95% de son salaire fixe. Bah, tout ça est un peu déraisonnable. On voit bien que il n'y a pas de stratégie pour le pays et qu'on préfère, qu'est-ce qui se passe, parce que ça date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 2002 que la sidérurgie est en train de s'enfuir du pays dans le Valenciennois et dans le département du Nord. On préfère finalement que l'acier soit fait à l'autre bout du monde par des gens exploités, mal payés et qu'on rapatrie ça ici. Ne serait-ce que d'un point de vue écologique, on devrait se poser des questions. On devrait se poser des questions. On a besoin de la sidérurgie en France, donc il faut se dépêcher de relocaliser l'emploi et que l'État soit à la manœuvre, parce que c'est d'intérêt général. Est-ce que pour vous, Ascoval, c'est en train de devenir le Florange d'Emmanuel Macron, Florange qui avait plombé le quinquennat de François Hollande? Oui, en quelque sorte, parce que en fait, en réalité, il y a un certain Emmanuel Macron qui s'est déplacé à Saint-Saulve en 2015 en tant que ministre de l'économie. Il avait promis qu'il avait dit il y a de l'avenir. Ouais, voilà. Oui. Ça, voilà, je sais pas. Il va se déplacer bientôt à Maubeuge. J'imagine que c'est pour ça que la décision a été reportée. Il va se déplacer à Maubeuge. Il va dire quoi? Il y a de l'avenir, etc. Quel est le discours qu'il va tenir? Encore une fois, je pense que des gens comme Xavier Bertrand, des gens comme moi-même, comme un certain nombre de personnes qui regardent la situation, se disent que ça vaut la peine de défendre Ascoval et Vallourec et de faire en sorte que l'État vraiment se donne un avenir industriel dans ce pays. Florange, qui est effectivement un dossier qui avait créé une crise gouvernementale, en même temps, est-ce que ça n'a pas été une reconversion douloureuse, certes, mais pas totalement ratée, en tout cas au vu de ceux qui ont géré ce dossier? Certes, les hauts fourneaux ne fonctionnent plus, mais il n'y a pas eu de licenciement sec, il y a eu 270 millions investis dans une filière, je crois, dite froide, en tout cas d'un acier moderne. Est-ce que c'est pas une façon de songer à une reconversion? Est-ce que la seule alternative, c'est la nationalisation? Encore une fois, Si c'était vrai qu'on n'a pas besoin d'acier, plus besoin d'acier, et qu'il faut fermer l'entreprise, en tout cas réduire la voilure et passer à autre chose, je vous dirais, ok, faisons ça, soyons auprès des salariés actuels pour qu'ils soient reclassés, pour qu'ils retrouvent un autre emploi. Mais ce n'est pas le cas. On importe de l'acier. Donc quand est-ce qu'on aura cette vision stratégique pour le pays? Enfin, bon sang, est-ce qu'on est là juste à regarder les méfaits de la mondialisation et de se dire que tout ça, tout notre outil industriel part à l'étranger et puis que, ma foi, c'est la concurrence libre et non faussée? Non, je ne le crois pas. Je ne pense pas que c'est ce qu'il faille faire.
L'autre dossier économique du moment, Hugo Bernalicis, c'est la hausse des prix des carburants. Est-ce que le gouvernement a raison? Alors, il y a la hausse liée à la hausse du prix du baril du pétrole, ça on n'y peut rien, c'est la situation internationale. Est-ce que le gouvernement a raison? En revanche, non, vous dites non? Bah, disons que les situations internationales, on y est un peu pour quelque chose, mais là pas directement sur le pétrole. Bon. Alors sur la même si taxe, on a quelques alliés visiblement qui ça nous arrange. On va y venir. Si vous voulez bien, si vous voulez parler de l'Arabie Saoudite, on va y venir. Est-ce que sur les taxes, le gouvernement a raison de les augmenter progressivement et continuellement? Et en fait, nous on aurait augmenté les taxes si on avait été au pouvoir, mais on n'aurait pas fait que ça. Parce que quand vous dites à quelqu'un qui prend sa voiture que c'est l'augmentation des taxes ou l'augmentation des taxes, eh ben vous faites que à taper sur le pouvoir d'achat des gens. Et c'est pour ça que je vois il y a des manifestations spontanées qui sont en train de s'organiser. Je sais pas si vous avez vu ça comme moi. Ils prévoient de faire des opérations sur l'A1. Bon, vous irez manifester vous? Bah écoutez, je sais pas, peut-être aller voir les gens qui manifestent effectivement sur place. Je sais pas, j'ai pas encore prévu. J'ai découvert ça hier, hein, donc je vais regarder. Mais les alternatives, elles sont où? Vous pouvez pas expliquer aux gens, écoutez, on augmente le prix du carburant. Par contre, pour la SNCF, eh ben, on va ouvrir à la concurrence, on va fermer des petites lignes, on va fermer des gares. Bah, c'est pas possible. Il faut que vous proposiez une alternative aux gens. Il faut proposer une alternative aux gens. Dans un premier temps, quand le gouvernement dit nous assumons ces hausses pour des raisons écologiques, de lutte contre la pollution, c'est le discours qui est repris par le gouvernement. Même s'il est partiel, ce discours, vous le comprenez, vous l'approuvez. Ces hausses, elles sont écologiquement, utiles, nécessaires ou inévitables. Oui, mais elles seraient utiles s'il y avait l'alternative qui est proposée avec. Sinon, vous mettez le couteau sous la gorge aux gens, économiquement parlant, c'est tout. Voilà ce que ça fait. Alors, c'est rigolo de se dire écologique ou écologiste quand là, vous augmentez le carburant, puis quand c'est la SNCF, non, là, faut le marché, faut la concurrence. Quand est-ce qu'on renationalise les autoroutes et que tout cet argent, tout ce pognon de dingue qui nous échappe pour être utilisé à la transition écologique et à développer d'autres modes de transport alternatifs, quand est-ce qu'on fait ça? On ne le fait pas. Voilà, donc, l'écologie qui consiste à augmenter les taxes, c'est pas une vision écologiste, finalement, c'est une vision pour faire rentrer de l'argent. C'est ce que dit mot pour mot Ségolène Royal, ce que vous êtes en train de dire. Bah écoutez, s'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec la France insoumise, j'y peux rien moi, mais en l'occurrence, c'est la vérité, c'est ça qui est en train de se passer. Hugo Bernalicis, toujours avec Hugo Bernalicis, député La France insoumise du Nord, et Renaud Dely qui vous interroge. Alors, nous allons en venir évidemment aux affaires aux procédures qui concernent la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu une série de perquisitions la semaine dernière et des réactions qu'on connaît. Il y a eu aussi des propos de Jean-Luc Mélenchon à l'endroit des journalistes, des médias en général, et plus particulièrement de ceux de Radio France. D'ailleurs, factuellement, on le sait, la présidence de Radio France a engagé une procédure judiciaire à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon à la suite de ses propos. Il a notamment traité les journalistes de Radio France et de France Info de menteurs, de tricheurs, d'abrutis. Il a appelé ses soutiens, je le cite, à pourrir l'existence de ces journalistes. C'est pas l'objet ici, évidemment, de faire l'audience, le procès, et il s'agit absolument pas de le faire. Des procédures, encore une fois, sont en cours et suivront leur cours. Mais comment est-ce que vous expliquez, vous, en tant que député, la France insoumise, proche de Jean-Luc Mélenchon, fidèle de Jean-Luc Mélenchon, qu'ils tiennent de tels propos qui sont virulents à l'endroit de journalistes? Est-ce que c'est quoi? C'est la colère? C'est une blessure qui motive cette violence? Non, verbale? La colère, bien sûr qu'il y en a. Moi-même, j'en ai. Je veux dire, quand je lis des articles qui sont mensongers, approximatifs ou qui disent le contraire de ce qu'on défend, bah oui, ça m'énerve. Je suis comme tout le monde, ça m'énerve. Alors, quel moyen vous avez ensuite de protester? En réalité, vous n'en avez aucun, si ce n'est de la protestation orale, de dire voilà, ces gens-là ont menti, ces gens-là racontent n'importe quoi, donc je demande aux militants de propager aussi nos propres éléments de réponse, parce que sinon, vous n'avez aucun moyen de défense, et c'est un problème. C'est pas ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Propager notre vérité, appeler à pourrir un média qui sort des informations, c'est pas la même chose que ce que vous dites là. Bah, vous savez, que les militants ou moi-même, je vais faire un tweet en dénonçant. Là, vous êtes en train de nous pourrir, par exemple. Bah, écoutez, on va voir comment se poursuit l'émission. Là, mais pourquoi pas? Vous avez le sentiment d'être dans une radio et une télévision d'État êtes ici. Bah, en tout cas, c'est financé par l'argent public. Je sais pas s'il y a des surfacturations, mais en tout cas, c'est financé par l'argent public. Ça veut dire radio d'État. Ça veut dire qu'il y a un téléphone qui sonne là et qu'on nous donne les questions qu'il faut vous poser. Vous pensez vraiment qu'on nous pose les... Malheureusement, il y a même plus besoin de ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a dans les rédactions d'un certain nombre de médias, y compris dans les services publics, la ligne éditoriale correspond bien souvent à l'idéologie dominante qui est propagée. Donc en fait, tous les médias sont des médias d'État.
si on vous suit bien. Non, alors non, pas tous, mais en tout cas la ligne éditoriale elle est sensiblement la même, et on pourrait être en droit d'attendre du service public un peu plus de pluralisme, ou en tout cas de peser les choses à charge à décharge, pas comme ça peut se faire dans des médias qui sont plus orientés. Voilà, c'est mon analyse, c'est mon avis. Et ces mots, en tout cas, ces injures ou ces menaces, à vos yeux, elles sont jamais excessives. Vous les justifiez, vous les assumez totalement, ou est-ce que parfois il va un peu trop loin peut-être? Non, mais peut-être qu'on peut avoir tendance, sous le coup de la réaction, à globaliser là où il faudrait peut-être aller un peu plus dans le détail, en disant c'est pas tous les journalistes, mais ceux qui ont travaillé sur l'affaire, etc. Bon, peut-être je peux vous accorder ça à la limite, mais globalement il y a une ambiance détestable avec le système médiatique quand il y a des affaires comme celle-là. Ces propos contribuent à l'attiser, cette ambiance que vous dénoncez. Bah écoutez, encore une fois, qu'est-ce qu'on a d'autre pour réagir? Vous pouvez vous aussi engager des procédures judiciaires. Non, est-ce que par exemple la procédure judiciaire, ça va prendre combien de temps? Là, on est dans la réaction politique publique, et sinon vous laissez passer des contre-vérités et comme ça sans vous défendre, puis vous dites bon, on verra plus tard quand la justice tranchera, dans 2 ans, dans 3 ans, quand tout le monde aura oublié. Non, c'est pas sérieux. Et c'est pour ça par ailleurs qu'on avait proposé un conseil de déontologie du journalisme. Mais vous le savez, vous souriez, mais vous le savez, mais que c'est vrai, que c'est pour ça qu'on l'avait proposé, pour avoir un moyen de règlement des différends qui soit plus apaisé que juste les réactions interposé et bilatéral. Est-ce que vous diriez que lors de l'épisode des perquisitions, les mots, les gestes de Jean-Luc Mélenchon, il a surréagi à un moment? Moi, je pense qu'il a réagi comme un être humain. Et je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place dans sa situation. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si on m'avait perquisitionné à 7h du matin avec 8 policiers, s'il y avait 16 autres de mes camarades qui étaient concernés, que ce soit dans les sièges ou à leur domicile, par des perquisitions. J'en sais rien. Je suis incapable de vous le dire. Je suis pas moins sanguin que d'autres. Bon, il se trouve que j'ai pas été mis dans ces conditions-là. Mais je veux pas qu'on se focalise sur un des événements d'une chaîne de succession d'événements qui ont un point de départ. C'est que quand on entend ça, on a l'impression qu'il y a un plan communication qui a été établi par la France Insoumise parce que on aurait été au courant des perquisitions la veille, etc. Non, vous subissez tout ça quand ça arrive. On a l'impression que c'est ça. Oui, le plan com a pas été bon. Est-ce qu'il aurait pas su réagir, etc. Non, il a réagi en fait. Jean-Luc Mélenchon et mes camarades ont réagi. Il a réagi comme un être humain, vous disiez. Oui, Est-ce que vous pensez qu'il a réagi comme un chef d'État potentiel? Mais oui, parce qu'un chef d'État, il faut que ce soit un être humain. Il faut pas que ce soit un robot, quelqu'un d'insipide, etc. Moi, je crois pas ça. Et il faut prendre les personnes dans leur intégralité. Il y a pas dit Hugo Bernal ici. Il y a pas dit Jean-Luc Mélenchon. C'est le même. Voilà. Des fois, je peux me mettre en colère. Macron disait un jour, ma personne est sacrée. Il l'a dit déjà. La personne est sacrée. Je suis la République. Non, mais il l'a déjà dit par ailleurs. Il l'a déjà dit. Il dit qu'il vient de me chercher. Oui. Et vous lui avez tapé dessus. Alors oui, mais parce que pourquoi? C'est une image, je précise. Non mais oui. Alors, parce que vous allez dire, je fais un appel à la haine. Mais vous voyez comment les mots peuvent être interprétés. Vous dites, il se prend pour le roi. Quand Jean-Luc Mélenchon dit ça, vous dites, c'est normal, c'est une réaction saine. Non, je suis sacré, c'est normal, parce que c'est la réalité. Enfin, je veux dire, peut-être que le terme peut paraître anachronique, parce que ça vient de loin, ça vient de l'Antiquité romaine. Bon, mais en réalité, c'est vrai, c'est de la sacralité du député que découle l'inviolabilité et l'immunité parlementaire. Alors bon, à une époque, c'était plus sacré au sens religieux. Mais c'est ça l'idée, voilà. Et oui, je pense que il y a un certain nombre de professions, il y a un certain nombre de métiers qui doivent être protégés avec une certaine sacralité dans le code de procédure pénale, dans les procédures, parce que c'est ça qui fait qu'on est une démocratie. Et il y a par exemple, messieurs, les journalistes qui sont dans cette situation, les avocats qui sont dans cette situation, et tant mieux. Donc l'idée, c'est pas d'être au-dessus des lois. Vraiment, c'est pas ça le sujet, c'est juste qu'elle s'applique, loi. Vous dites, Hugo Benalicis, vous dites, c'est une réaction spontanée, d'un homme en colère, blessé, etc. Oui. Il n'y a pas de stratégie, dites-vous. Pourtant, il y a quelques mois et à plusieurs reprises, Jean-Luc Mélenchon expliquait par exemple dans son attitude à l'endroit des médias, je le cite, le pouvoir médiatique est d'essence complotiste, la haine des médias et de ceux qui les animent est juste et saine. Il y a bien une stratégie politique qui consiste à dénoncer, à taper sur les médias, tout ça. Mais c'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure, je me suis pas défilé, je vous ai expliqué qu'on pensait qu'il y avait une ligne éditoriale qui est défendue dans la plupart des médias, y compris dans le service public, dans les médias du service public, que l'on conteste, et une homogénéité que l'on conteste. En fait, les abrutis, ils sont partout. Ils sont pas qu'à France Info. Écoutez, je pense des abrutis. Ils sont dans l'ensemble de la presse. Les menteurs, les tricheurs, si on vous suit bien, c'est pas que dans la radio d'État. Je pense que les abrutis sont également répartis sur le territoire, voilà, et dans tous les domaines. Voilà ma position. Donc vous n'y échappez pas. Bon, donc dans ce contexte-là, la haine des médias, je reprends, peut être saine. La haine peut être saine. Non, mais c'est je reprends ces termes.
Oui, j'entends bien. Je me souviens de la polémique à l'époque. Si vous voulez, on peut refaire une nouvelle en disant ah, la haine des médias, etc. Je sais que ça, ça, mais à l'époque, ça il l'avait écrit. Il l'avait écrit à l'époque. Maintenant, il est passé aux travaux pratiques. Mais c'est pas aux travaux pratiques. Vous pouvez revenir à plus en amont. Vous pouvez même revenir sur des conférences qu'il a fait dans les écoles de journalisme où il dit substantiellement la même chose, mais sur un format d'une heure et demie, en développant des contre-propositions à la matière sur le système médiatique. Voilà, qui fait des amendements à part la France insoumise pour expliquer qu'il faut arrêter la concentration dans les médias, qu'il faut augmenter l'indépendance des médias du service public, notamment en arrêtant la nomination par le pouvoir exécutif. Voilà, qui propose ça à part nous? Il y a eu un sondage publié hier, Renaud Dely, sur l'image de Jean-Luc Mélenchon depuis ses perquisitions. C'est un sondage Ipsos dans lequel la cote de Jean-Luc Mélenchon, qui était élevée, a dégringolé de 13 points. Il était sur 6e position de tous les leaders politiques. Il est maintenant en 17e position et il est désormais dépassé, Jean-Luc Mélenchon, par Benoît Hamon, mais aussi Marion Maréchal ou Marine Le Pen. Est-ce qu'il est en train de payer son attitude politiquement? J'imagine qu'en 17e, il n'y a pas que Marion Maréchal Le Pen ou Marine Le Pen, il y a quelques autres. Il y en a 16 devant, oui, je vous le confirme. Oui, mais je vois que vous prenez soin de mettre... Non, parce qu'ils sont juste devant. Ils sont juste devant. C'est pour ça qu'on donne... C'est pas... Oui, bon, il y en a 16. C'est juste derrière. Non, d'accord, Canada, il y a Benoît Hamon, il y en a d'autres. Il y en a 16. Il y en a de plus en plus devant. Oui, c'est bien l'objet de ma question. Qu'est-ce qu'il est en train de payer politiquement? Les conséquences de cette attitude après. Ah bah, il paye politiquement une semaine de bashing. Ouais, ça fonctionne le bashing. Hein. C'est pas la première fois qu'on voit dans les sondages d'ailleurs que à partir d'un fait, d'un événement politique, vous diminuez ou vous montez. Après, là, pour nous, l'objectif, on est sur le long terme. On va pas être que dans la réaction permanente. C'est pas le sujet. Faut passer on est là pour à autre faire chose la politique. Maintenant. Mais oui, mais on le dit tous qu'il donc, faut passer alto à autre feu, chose. C'est la raison de votre présence ce matin dans le studio de France Info. Bah, on non, se calme. C'est pas la raison de ma présence de ce matin. Vous avez invité d'abord. Bah voilà. Si vous m'invitez pas, je peux pas venir. Mais enfin, si je rentre par effraction, vous allez pas être content. Tous les responsables de la France Insoumise accepte de venir, enfin je crois, à ma connaissance, ici même, on était... Sur tous les médias, on accepte monsieur, sur tous les oui, médias. Oui, on était avec M. Quatennens vendredi matin, après les révélations de la cellule d'investigation de France Info, tous viennent, bah, les révélations, tous sauf un, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est sa position ou est-ce que c'est la position de votre parti, le fait de ne pas venir ici? Non mais Jean-Luc Mélenchon... Et après on passe à autre chose. Non mais Jean-Luc Mélenchon choisit, il a ce privilège-là. C'est que il peut choisir les émissions alors dans lesquelles vous n'avez pas le choix, on vous envoie de force. Non, on m'envoie pas de force. Si je vous avais dit non, je serais pas venu. Enfin, l'histoire. Mais ce que vous savez, vous êtes du métier, vous savez ce que ça veut dire, c'est qu'il peut faire en sorte de limiter ses passages médias pour avoir des formats médiatiques qui sont plus longs, qui permettent plus d'expliquer, qui sont pas forcément dans la réaction du tac au tac, etc. Comme ça. Et c'est tant mieux. Donc c'est et sa honnêtement, décision, c'est pas une position et par ailleurs, politique. S'il était là tout le temps partout, vous diriez est-ce que Jean-Luc Mélenchon ne fait pas de l'ombre aux 16 autres députés? Ah, mais nous, il est jamais là. Donc c'est très simple, on peut pas dire ça. Non mais à un moment donné, il y a aussi une stratégie de la part du monde de faire monter des visages et de montrer que c'est un collectif. Il n'y a pas Jean-Luc Mélenchon partie. Tout seul, bien donc sûr. Donc vous faites partie, bien Hugo Bernalicis. Invité de France Info pour quelques minutes encore. On s'arrête le temps des titres à 8h51 avec Stéphane Milhomme qui vient de nous rejoindre. Et mes dernières parties de cet entretien avec Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord et les questions de Renaud Dely. Alors l'Union européenne a demandé à l'Italie, au gouvernement italien, de revoir sa copie en matière budgétaire et de lui présenter un deuxième budget, revu et corrigé. Jean-Luc Mélenchon a donné hier une conférence de presse au Parlement européen de Strasbourg et voici ce qu'il en a dit, on l'écoute. Les Français ont intérêt à défendre tous ceux qui défendent la souveraineté populaire. C'est la raison pour laquelle il faut évidemment prendre parti pour le gouvernement italien contre la Commission européenne, même si on désapprouve le gouvernement italien, ce qui est notre cas, tout en désapprouvant la Commission européenne. En l'occurrence, vous soutenez le gouvernement italien avec notamment Matteo Salvini en son sein. Alors, on va pas résumer. Hein. Je soutiens le gouvernement italien, mais c'est dans le cas de figure, dans le cas d'espèce qui est présenté là. Et on soutiendrait n'importe quel gouvernement qui serait agressé par la Commission européenne, comme c'est le cas. Vous vous souvenez que ces dispositifs, ces mécanismes-là, ils datent pas d'aujourd'hui. Ils ont quelques années, et notamment le dernier à avoir signé les traités qui permettent ce mécanisme-là, il s'appelle François Hollande, hein, dont dans son gouvernement il y avait un certain Emmanuel Macron. Je vous passe la suite, mais il faut bien se dire que on est dans un système où vous avez la Commission européenne qui est pas si démocratique que ça, qui se permet de contester les budgets proposés par des parlements européens qui eux sont élus par le peuple entier des pays concernés. Vous arrivez à faire la différence entre le Matteo Salvini qui fait la chasse aux migrants sur ses côtes et le avec Matteo Emmanuel Salvini Macron, oui, qui fait la chasse aux migrants sur ses côtes Jean-Luc avec Emmanuel Mélenchon Macron, que, vous pouvez le dire. Voilà, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'Emmanuel Macron était le plus grand xénophobe de France s'il fait les mêmes affaires que Salvini. Oui. Vous arrivez, vous, à couper en deux à ce point-là Matteo Salvini mais entre celui qui défie Bruxelles et celui qui a l'opposé exact de pourquoi, vos positions sur les migrants. Je vais vous dire pourquoi. Par ailleurs, on y est contraint en réalité. Je vous dis pas, parce que nous, au gouvernement, demain, on serait peut-être face au même cas de figure. Donc je vais pas vous dire aujourd'hui, ah non, l'Italie, pourquoi Salvini serait un allié si vous étiez au gouvernement aujourd'hui? J'en sais rien, je pense pas, ça m'étonnerait. Alors peut-être juste sur
quelques points de détail, parce que vous savez, quand il y a des discussions avec des pays, on fait de la géopolitique, on n'épouse pas les formes de gouvernement ou les dirigeants qui sont dedans. Bon, mais vraiment, vous soutiendriez en tout cas n'importe quel gouvernement, je vous cite, contre cette agression de la Commission européenne. N'importe quel gouvernement, quelle que soit sa couleur politique. Parce que un gouvernement allemand avec l'AFD, l'extrême droite en son sein, vous le soutiendriez sur le même sujet. Oui, ou le bloco le bloc de gauche au Portugal, par exemple. Si vous voulez prendre que des exemples d'extrême droite, décidément, bon, vous avez mauvais goût ce matin, je pense. Il s'avère qu'en Italie, l'extrême droite participe. Oui, mais il y a aussi des forces progressistes ailleurs en Europe, voilà, qui proposent aussi des budgets qui sont, à l'opposé de la doctrine ordolibérale promue par la Commission européenne. Ça prime sur tout le reste. Cet accord-là sur le budget et le fait qu'il faut assouplir les traités prime sur tout le reste de la politique, y compris ce que fait aujourd'hui M. Salvini en Italie sur les migrants, encore une mais fois. Mais non, ça prime pas, il n'y a pas de hiérarchisation. C'est juste que sinon, écoutez-moi bien, ce qui se passe, c'est que ça veut dire qu'il n'y a que l'extrême droite qui est en capacité de protester sur le fait que les peuples sont dépossédés de leur souveraineté à choisir leurs élus et à choisir leur budget. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, quelle que soit la couleur politique, ceci n'est pas acceptable. Je suis pour que les gens dans leur pays décident de l'avenir de leur pays, de leur budget, etc. C'est la même chose, vous savez, en tant que député français, je suis soumis aux mêmes problématiques. Alors bon, nous, on est là pour faire les bons élèves de l'Europe avec Emmanuel Macron et Gérald Darmanin. C'est au-delà de 3%, point de salut. Encore que c'est même pas le sujet des 3%, parce que l'Italie prévoit de respecter les 3%. Vous parlez d'une agression antidémocratique de la Commission européenne, mais... Bien sûr. On peut contester évidemment le cours politique de la Commission européenne, mais le gouvernement italien a adhéré aux règles auxquelles il est obligé de se soumettre aujourd'hui. Oui, mais tout ça c'est de la politique, j'ai envie de vous dire. Nous prévoyons, nous, dans notre programme, de transgresser ces règles, précisément ces règles-là. Parce qu'on pense qu'elles enferment les pays dans des logiques d'austérité qui ensuite détruisent tout. Et oui, la politique libérale et ordolibérale de l'Union européenne, c'est ça qui est la source de la montée de l'extrême droite partout en Europe. Donc, moi, je veux bien qu'on regarde ça de manière impuissante, encore une fois, et qu'on se dise bon, ben, ma foi, l'extrême droite proteste et ils ont raison, et puis ça leur fait de la publicité et tant pis pour la Commission européenne. Sauf que je ne souhaite pas que ce soit ça le cas de figure en Europe. Et oui, il existe des oppositions, comme en France avec la France insoumise, mais aussi Podemos, enfin tous les membres de Et maintenant le peuple, qui protestent contre cette agression de la Commission européenne envers un pays qui est censé être souverain. Il nous reste peu de temps pour un sujet qui en mériterait beaucoup. Est-ce que la France doit cesser ses ventes d'armes aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite ? Oui, et ça prouve qu'on sait aussi faire de la politique à la France insoumise, qu'il n'y a pas que le bashing ambiant, puisque c'est mon collègue Bastien Lachaud qui a posé une question au gouvernement hier, qui a eu une réponse assez lunaire, hein, je pense que vous partagez peut-être avec moi cet aspect-là, de la ministre de la Défense. D'ailleurs, ça devait être Jean-Yves Le Drian qui prenait la parole, il faisait des signes pour la demander. On lui a dit non, 11 milliards d'euros, voilà, c'est ça. 11 milliards de contrats. Non, mais c'est ça le cœur de l'affaire. C'est qu'aujourd'hui, sous couvert de faire du pognon, de faire du business, on s'en fiche de ce qui se passe en Arabie Saoudite. Et c'est les premiers qui viennent nous parler du Venezuela sur les plateaux. Enfin bon, on vend pas des armes. La France insoumise ne vend pas d'armes au Venezuela. Le Venezuela ne fait pas la guerre, ne tue pas des enfants dans le pays d'à côté. Bon, non, mais il faut être un peu responsable à un moment donné. Ça commence à bien faire ce deux poids deux mesures. Et là, en plus, il y a quand même des enjeux de civils qui sont en train de mourir avec nos armes, qui ne sont pas acceptables. Oui, nous protestons et oui, il faut cesser la vente d'armes à l'Arabie Saoudite, séance tenante. Merci Hugo Bernalicis, merci d'avoir accepté ce matin l'invitation de France Info.